Sauver le monde du mal, c'est pas juste un travail pour les hommes. Waouh, ces super-héroïnes sont incroyables! À quoi ressemble la vie de Spider-Woman? D'abord, tu poursuis les méchants toute la nuit. Et puis t'attends une demi-journée un mec qui est en retard pour votre rendez-vous. Sacré boulot! Oh, c'est Tyler! Mais ils peuvent même pas se détendre en se promenant. Il y a des ennemis partout! Comme cet inconnu. Hé, c'était quoi ça? C'est impossible de rester calme. Commence une bagarre avec ton petit ami et attrape la fille dans ta spiderweb. Une toile d'araignée rose, c'est sa couleur préférée. Ça lui apprendra à sourire au mec des autres. Tyler est aussi puni. Maintenant, tu réfléchis à ce que t'as fait de mal. Maintenant, Spider-Woman peut se détendre et faire ce qu'elle aime. Voici Captain America. Tu savais que capitaine, c'était un titre non genré, n'est-ce pas? Elle adore montrer à ses potes ses nouveaux accessoires. Aujourd'hui, elle a eu un nouveau bouclier. Il vient d'être livré de Wakanda. Il est si élégant et brillant. Il est trop beau! Détruire le mal de l'univers, ce sera vraiment trop cool grâce à ça. Et voilà ce que le bouclier peut faire. Lance-le comme un frisbee. Et il revient. Tadam! Voilà notre popcorn! C'est trop cool! Évidemment, c'est Captain America! Certes, Magneto a peur de Wolverine. Mais on doit quand même manger et cuisiner. Il a fallu des années pour perfectionner ses compétences. C'est du propre! Miss Wolverine ne cuisine que des plats équilibrés. C'est pour ça qu'elle est en pleine santé. Oh non! Ça craint! Elle s'est cassée un ongle! Je fais quoi? Je fais quoi? Comment ça? Va te faire une manucure? Les prothésistes ongulaires ont tout vu. Ça va être un processus long et intense. Un outil ordinaire ne sera pas utile dans ce cas-là. Mais la manucure peut encore être sauvée. Sacré choix! On va se mettre au boulot. On scie ici, on taille là. Et la manucure digne de la super-héroïne est terminée. Du vernis à ongles rouge avec des strass. Bon bah, tant que ça fait le boulot. La capitaine adore être pratiquement immortelle, bien sûr. Elle sera jeune et belle pour toujours. C'est quelque chose que tout le monde veut, non? Sauf que dans 50 ans, elle s'amusera plus avec ses vieux potes. Ils seront vraiment vieux. Maintenant, le bouclier ne sert qu'à chercher les lunettes de tout le monde. Ces histoires n'impressionnent plus personne. Ses amis préféraient manger de la soupe et aller se coucher tôt. Sortir avec Lady Hulk, c'est comme être assis sur un baril de poudre. Mais parfois, c'est génial! Comme maintenant, quand tu dois installer une nouvelle télé dans ta chambre. Quand elle est calme, elle peut ne pas vouloir aider. Mais c'est hyper facile de mettre Lady Hulk en colère. Son parfum préféré? Super idée! Oups, je voulais pas. Mais c'est trop tard. On va pas pouvoir la dompter. Oh, il se passe quoi maintenant? Super, la télé est déjà à sa place. Mais Tyler ferait mieux de rester à l'écart. Lady Hulk ne supporte pas de voir son parfum renversé. Justice est rendue. Hulk, respire! Le monstre vert se retransforme en la Toussani. Chérie, t'es de retour? Ça me dérange même pas de m'être cogné la tête. Au moins la télé est là.
Supergirl a aussi besoin de se reposer. Elle veut aller à la plage depuis tellement longtemps. Et sa cape peut servir de serviette de plage. Ah, c'est tellement agréable! Mais c'est quoi ça? Le monde a encore besoin de mon aide? Oh, je vais devoir me reposer une autre fois. C'est parti! Oh oh! On dirait que son maillot de bain et son sac sont restés sur la plage. Ça arrive au super-héros aussi. Elle a tout simplement pas pensé à sa vitesse. Mais ce voleur n'aurait pas dû s'approcher de ses affaires. Quelque chose est sur le point d'arriver. Oups! Vaut mieux pas se frotter à quelqu'un qui tient un appareil photo. Elle veut pas qu'on lui fasse du chantage. Elle se soucie de sa réputation. Ce serait plus facile de se procurer de nouveaux vêtements. Les super-héroïnes font aussi du shopping. Pour trouver une nouvelle tenue. Cyclope a donc décidé d'aller faire les magasins. Elle aurait bien besoin d'une nouvelle veste. La dernière a été endommagée lors de son dernier combat. Et bien sûr, des lunettes. C'est pas un choix facile. Elle a déjà des centaines de verres. Oublie juste pas que tes yeux peuvent littéralement brûler des trucs. Oh, je suis vraiment désolée. Ça arrive à chaque fois. La vie personnelle d'Aquawoman est comme un océan sauvage. Aujourd'hui, elle a préparé un cadeau pour son mec à l'occasion de leur anniversaire. Oh, il est là! On dirait qu'il est venu sans cadeau. Quoi? T'as oublié l'anniversaire? T'aurais pas dû faire ça! Sa vengeance n'attendra pas longtemps. Tyler ferait mieux de rester hors de l'eau maintenant. Mais il veut prendre une douche. Je vais t'en donner une douche, moi. La douche se transforme en sauna. On dirait que l'eau était trop chaude. Mais ça ne suffit pas pour Aquawoman. Après cette douche brûlante, Tyler doit se rafraîchir. Fastoche! Ce tuyau d'arrosage va tout arranger. Aquawoman ne fait que commencer. Peut-être qu'un cocktail calmera le jeu? Tyler, t'inquiète! Aquawoman ne va pas te lancer la vaisselle dessus, mais elle fera éclabousser le cocktail sur toi. Pardonne-moi, s'il te plaît! On dirait qu'ils sont prêts à se réconcilier. Elle est gentille. Elle lui offre même un café en échange du cocktail. Non merci. J'en ai assez avec les expériences liquides pour aujourd'hui. Certaines filles mettent beaucoup de temps à se préparer pour un rendez-vous. Mais pas le Flash. Quand l'homme de ses rêves l'invite à aller au cinéma, elle n'hésite pas une seconde. Je serai là dans une minute. Donc c'est parti! Oh, elle est tellement rapide! Flash a le temps non seulement de s'habiller, mais aussi de nettoyer la maison. C'est comme un mode avance rapide. Et la touche finale? En quelques secondes, elle est déjà devant la porte d'entrée. Et maintenant, elle est prête à le rencontrer. Tyler est impressionné. Ça a été la plus courte attente de toute sa vie. Une vraie rapide bébé. Et voici une autre super-héroïne qui est excellente en matière de gestion du temps. Doctor Strange. Mais elle aime aussi passer du temps dans le monde réel. Elle adore faire du shopping.
Mais c'est comme si les forces du mal fixaient les prix. Combien ça coûte? Oh, j'aimerais tellement ces chaussures! Je vais devoir faire quelques petits tours. Je vais accélérer le temps. Directement vers les soldes d'hiver. Quand je pourrais acheter ces chaussures avec une bonne promo? Encore trop cher! Et si j'appelais les forces du Black Friday? Ah, c'est mieux! Hé, hey, ces chaussures sont à moi! Les touche même pas! C'est tellement génial quand les rêves deviennent réalité! Batwoman préfère le maquillage foncé. Sauver le monde, ça peut attendre. D'abord, je dois me préparer. Mais sans ma boucle d'oreille porte-bonheur, je peux aller nulle part. Elle est passée où? Elle est pas là non plus. J'ai déjà fouillé toute la maison. Ça, c'est maléfique. La vision au rayon X a aidé à trouver la réponse, comme d'hab. Bébé, tu vas devoir aller aux toilettes tout de suite. C'est un vrai boulot de super-héros. Erk, cette boucle d'oreille a besoin d'aide. C'est mieux. Je peux aller combattre le crime maintenant. Même si Lady Thor a du sang pieux dans ses veines, elle doit quand même cuisiner chacun de ses repas. Attendrir la viande, ça prend tellement de temps. Travailler avec un rouleau à pâtisserie, c'est pas très amusant. Mais le marteau Thor, c'est trop drôle! Mon puissant Mjolnir, c'est beaucoup plus rapide et plus efficace. C'est un steak parfait! Qu'est-ce qui va pas avec la lumière? Lady Thor peut s'occuper de ce problème aussi. Coup de foudre! Fastoche! Et elle changera même la météo pour que ses cheveux soient parfaits. Boum! Et le ciel est dégagé! Ah, c'est mieux comme ça! Mais parfois, elle oublie la force de son marteau. Tout ce qu'elle voulait faire, c'était enfoncer un clou. Mais la maison l'a pas supporté. Elle est juste trop forte. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Pauvre Tyler. S'approcher de Thor peut être dangereux. Mais elle aime bien les fleurs. Un joli bouquet pour une grande femme. T'as aimé nos sketchs sur les super-héroïnes? Alors, dis-nous dans tes commentaires quel autre super-héros tu aimerais voir en tant que femme. Lâche ton like pour cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo de super-héros et plus encore sur Troom Troom Wow!